avant toute chose, pensez à me soutenir si cette vidéo vous plaît. Appuyez sur abonner pour être abonné et recevoir aussi une notification dès que j'envoie une nouvelle vidéo. J'essaie d'en envoyer 5 par semaine avec des sujets à propos du web et du freelance et du business. Et donc l'idée, c'est de vous donner plein de conseils, plein de tips pour que vous puissiez avancer plus vite. Alors, aujourd'hui, donc, on va parler de no-code. Alors, le no-code, si vous ne connaissez pas, c'est le fait qu'il y a de plus en plus d'outils qui existent et qui n'ont plus besoin de devoir coder à la main. Donc, ce sont des outils qui permettent d'aller un peu plus vite, de faire des choses qu'on n'était pas capable de faire il y a encore un an ou deux. Et donc, si vous êtes graphiste, si vous n'aimez pas le code, eh bien, sachez que tout ça va tout doucement se décoincer. On disait à l'époque qu'il y avait une personne pour 400 qui savait développer. Donc, on imagine bien le nombre minime qu'il y avait de développeurs. Aujourd'hui, avec le no-code, on passe de une personne à X nombre de nouveaux créatifs qui vont vous pouvoir, en fait, toucher à tous ces outils de manière beaucoup plus simple et intuitive. Et donc, aujourd'hui, dans cette vidéo, je vais vous expliquer et vous montrer quelques outils que moi j'utilise personnellement en tant que développeur et designer web. Avant toute chose, je vais donc vous partager mon écran. Ça sera bien plus facile pour vous expliquer tout ça. Allez, à tout de suite. Alors, donc, on se retrouve sur mon ordinateur et donc je vais vous dévoiler 5 outils. Donc 5 que j'utilise qui sont à 100% no code, donc qui nécessitent vraiment aucun code. Et donc le premier, c'est bien sûr Figma. Donc Figma, c'est quoi? Figma, c'est un outil de prototypage qui va vous permettre de faire des sites internet ou des applications. Donc il s'agit que du look, on est bien d'accord, mais il faut savoir qu'il y a une partie code qui se trouve juste là. Donc tout ce que vous créez ici, on vous dévoile déjà le code que vous allez pouvoir utiliser. Donc déjà ça, c'est déjà un pas vers le no-code parce que il faut savoir que ce sont des choses qu'on ne doit plus taper à la main. Donc que ce soit pour iOS ou Android, vous voyez, vous avez directement tout ce qu'il faut. Il n'y a plus qu'à exporter le code et c'est parti, vous pouvez créer une application ou un site internet vous-même. Alors le deuxième outil, vraiment ça c'est mon outil préféré, c'est bien sûr Webflow. Et donc Webflow, moi j'utilise Webflow depuis presque 3 ans maintenant. Et donc j'adore, c'est tout simplement l'outil que j'utilise chaque jour pour créer des sites internet. Je suis vraiment spécialisé et concentré sur cette plateforme. Il y aura peut-être d'autres plateformes d'ici peu de temps, donc restez à l'affût. Chacun choisit la plateforme qu'il préfère. Moi je conseille vivement de tester Webflow parce que j'ai déjà pu réaliser quelques projets pour des clients et j'ai déjà pu gagner grâce à ça quelques milliers d'euros. Et donc voilà, c'est quand même important, c'est un outil professionnel qui permet de créer des sites. Alors, un outil que j'utilise très régulièrement aussi et pour lequel j'ai beaucoup de plaisir à utiliser, c'est Zapier. Donc Zapier existe depuis quelques temps aussi, mais comme on est dans l'ère du no-code, on va en entendre parler encore plus. Et donc Zapier permet, qu'est-ce qu'il fait Zapier? C'est l'API. Donc l'API, si vous ne savez pas, c'est le fait qu'on connecte un site internet avec un logiciel, que ce soit un CRM ou n'importe quelle autre plateforme. Et donc il fallait faire appel à un développeur pour ça, pour faire le lien. Et donc aujourd'hui, il y a Zapier qui permet de le faire en quelques clics, de manière très logique et simple et intuitive. Et donc plus besoin de développeurs non plus. Vous allez pouvoir créer des connexions entre votre site internet et ici, par exemple, on a Typeform. Donc c'est un outil comme Google. Comment s'appelle encore l'outil pour Google Form? Donc c'est un formulaire en ligne qui permet de poser des questions, faire des quiz, etc. Mais donc on peut faire ça pour la Google Sheet, on peut faire ça pour le CRM que vous utilisez. Moi j'utilise SpikeDrive, Webflow. Enfin voilà, vous pouvez vraiment faire plein de choses. Même YouTube, vous voyez, vous pouvez le connecter à votre site grâce à Zapier. C'est vraiment un outil de dingue. Ici par exemple, je vais vous montrer un peu. Je ne sais pas combien d'outils sont dispo, mais il y en a
un paquet. Donc il suffit de faire une recherche ici de l'outil que vous avez envie de rechercher. Donc imaginons Gmail et voilà, connecter ça à Google Sheet. Eh bien, il va vous proposer divers automatisations pour mettre ça en place rapidement, de manière pratique. Toujours zéro code. Alors, un outil un peu plus récent, mais que j'ai découvert le mois passé. Et donc, il s'agit de MemberStack. Alors, MemberStack, c'est quoi? Eh bien, je vous disais dans la vidéo précédente qu'il y avait un moyen de s'inscrire avec un login et un mot de passe sur le site internet HappyDesk. Eh bien, j'ai utilisé MemberStack pour ça. Et j'en ferai d'ailleurs une petite vidéo, un petit tuto de comment j'ai fait parce que c'est pas compliqué, mais il y a quand même quelques petites règles à respecter pour y arriver. Et sinon, ici, le créateur Duncan, qui s'appelle, ils sont même deux, je pense. Il y a plein de tutos disponibles sur le site de MemberStack. Donc, on va vous parcourir ensemble comment moi j'ai fait pour le site. Et si vous avez des questions ou si vous voulez découvrir l'outil, allez voir sur le forum, allez voir, il y a plein de choses à utiliser de manière directe. C'est génial. Et alors, le dernier outil que je vais vous montrer aujourd'hui, donc c'est un outil que j'utilise aussi depuis presque 2 ans maintenant, c'est Wiglot. Et donc Wiglot, c'est quoi? C'est toujours du no-code, mais ça permet de transformer n'importe quel site internet en site multilingue, que vous ayez 2, 3 langues ou même 10 langues. L'outil va générer une traduction automatique et se base sur des outils professionnels pour la traduction. Donc, ce n'est pas du bête Google Translate, c'est vraiment une combinaison d'outils pour vous proposer une traduction automatisée la plus juste possible. Après, ça reste des machines, on est d'accord, on ne va pas remplacer l'humain, vous devez quand même passer derrière. Mais déjà, en quelques clics, votre site est directement traduit et donc ça fait un gain de temps de fou. De nouveau, un outil no code. Et donc aujourd'hui, je vous ai présenté 5 outils, ce sont vraiment les 5 outils que j'utilise le plus. C'est quelque chose qui va se développer encore plus. Et donc, j'ai hâte de voir ça, de partager ça avec vous sur cette chaîne. Voilà. Voilà, donc je vous ai présenté 5 outils no code que j'utilise vraiment tous les jours en tant que web designer. Ça permet d'ajouter de la valeur et vraiment une complexité que vous allez pouvoir proposer à vos clients de manière très simple, parce que en soi, ce sont des plateformes que vous allez vite prendre en main et vous allez pouvoir proposer ça à vos clients et avec quelques services en plus que vous allez pouvoir proposer dès demain. Donc il y en a 5, mais bien sûr il y en a bien plus encore. Si vous en avez d'autres, s'il y a d'autres outils no code que vous utilisez, ça se passe dans les commentaires. J'aimerais bien voir lesquels vous utilisez et comme ça on peut partager ça ensemble. Allez, on se voit demain pour une nouvelle vidéo. Je vous dis ciao. Comme je le disais, laissez un commentaire juste en dessous et je me ferai un plaisir d'y répondre. Pour le reste, on se voit demain pour une nouvelle vidéo. Ciao, ciao!